Coucou tout le monde, salut. Juste une petite intro avant de passer au magazine pour vous dire que justement ce magazine et la réponse à toutes vos questions, je l'ai enregistré, je l'ai tourné en direct ce matin sur Facebook. J'ai fait des tests, la qualité est plutôt bonne, ça va. Et donc ça permet de répondre en direct aux questions que vous posez, le stock que j'ai enregistré depuis un moment, plus les questions que vous allez pouvoir me poser directement sur Facebook ou sur YouTube après, pendant l'enregistrement de l'émission. Et puis ça après, je l'enregistre, je le monte avec le générique que vous connaissez, et puis et c'est diffusé comme prévu. Voilà, donc on y passe, j'en dis pas plus, je suis trop bavard, je vous passe ce qui a été enregistré ce matin. Salut, salut, à bientôt. Allez, c'est parti. Donc j'ai fait des tests tout à l'heure sur Facebook pour vérifier que la diffusion était OK. Et puis comme je dois de toute façon enregistrer le magazine avec la réponse aux questions, à un certain nombre de vos questions, je me suis dit pourquoi pas répondre à ces questions en direct sur Facebook pour ceux qui passent. Et puis après on enregistrera la vidéo, je la diffuserai comme prévu dès lundi matin à tous les abonnés et tous les inscrits à la newsletter de Beaux-Arts, de Cours Beaux-Arts, enfin, comme chaque semaine. Sauf que cette fois-ci, on va pas mettre je pourrais mettre un peu de musique quand même au moment où je vous raconte tout ça. Voilà. Juste pour rappeler qu'on est toujours dans la dynamique de coursbeauxarts.fr, en baissant quand même un peu le son. Il y a toujours des gens qui vont me dire, c'est trop fort, ça sert à rien. J'ai même quelqu'un qui m'a dit, arrête de faire avec ta bouche entre chaque phrase, ça donne pas envie de voir la suite. Alors tu prends ça tu prends cette petite claque Fred dans ta figure et puis tu essaies de faire mieux quand même, parce que quand même je regarde jusqu'au bout mais j'ai pas envie de regarder. Bon voilà. Et puis ce qui me fait rire aussi, c'est que je me suis rendu compte que j'avais pas encore mis à jour les bannières des pages Facebook de Beaux-Arts, de Cours Beaux-Arts et de Fred de Beaux-Arts. Ce qui fait que je vous souhaitais encore de passer de bonnes fêtes. C'est pas très classe, c'est pas très sérieux, c'est pas sérieux, voilà. Donc j'ai mis ça à jour, soyez indulgents. Ok, bon, alors, ça sera enregistré, encore une fois, et diffusé dans le magazine, comme prévu, comme chaque semaine, sauf que, voilà, ce qui passe, c'est du direct, et ça a l'air de bien se passer, donc on le fait. Alors, une première question de CLM. Je voudrais savoir le nom du support que tu utilises quand tu travailles avec des bombes acryliques. On a fait des vidéos avec plusieurs artistes, d'ailleurs, pour vous montrer tout l'univers incroyable qu'il peut y avoir quand on travaille avec des bombes acryliques, qui est un nouveau moyen d'utiliser de la peinture acrylique. Alors les supports sont multiples en fait, c'est comme pour l'acrylique. Tu peux travailler sur du carton, apprêté ou pas, tu peux travailler sur des toiles, des cartons toilés. J'ai fait pas mal de démos pour rester dans le frais, parce que le travail de la bombe est quand même intéressant avec les pochoirs. On peut faire des mélanges aussi avec des... Vous avez vu toutes les trucs, les astuces qu'on peut utiliser avec du papier, vous savez, du papier, du film alimentaire, là, froissé. On a des effets magnifiques. Pour ça, il faut que la peinture reste fraîche. Et donc, travailler sur un papier glacé, c'est vachement bien. Le Lana Vanguard, vous trouvez ça sur beauxarts.fr, est formidable pour ça. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question CLM. Clémence, peut-être CLM. Adeline, bonjour, merci pour ce tuto. Le tuto, c'était comment utiliser un vernis en bombe. Ah oui, ok. Une petite question, combien de temps conseillez-vous d'attendre entre les différentes couches? Eh ben, alors moi c'est compliqué parce que je suis souvent dans les démos, dans les tutos, je fais vite pour voilà pouvoir tourner rapidement le truc. Par contre moi quand j'utilise un vernis, je suis aussi impatient que vous, hein, soyez hors des caméras, je suis comme vous, je fais les mêmes erreurs que vous, je me fais d'ailleurs engueuler voilà régulièrement. Il faut laisser que ce soit sec au toucher, etc. Il faut laisser passer une bonne heure à l'acrylique dans des conditions à peu près normales, une bonne heure, que ce soit vraiment vraiment sec. Alors on vaporise très peu de produit, hein, quand on vaporise on brumise du produit, donc ça sèche plutôt vite. Ouais, une bonne heure. Et puis si vous avez la pétoche de que ce soit pas encore assez sec, bah laissez passer quelques heures, quoi. Mais pas une semaine, hein, voilà, c'est pas de l'ordre d'une semaine, et 10 minutes ça suffit pas. Même si le solvant s'évapore, le vernis s'est pas encore transformé, donc il faut laisser les choses faire. Allez, 2 heures. Allez, partons sur 2 heures. En plus, comme je connais pas la marque que tu utilises, Adeline, c'est pas facile de répondre, mais j'essaye quand même. Monique, bonjour. Peut-on utiliser un vernis pour peinture à l'huile sur un tableau peint à l'acrylique? Ok. Compte tenu que j'utilise de l'huile de silicone dans mon acrylique. De l'huile de silicone dans mon acrylique. Ah oui, d'accord. La surface de la toile reste toujours un peu grasse, même si je la nettoie à l'eau savonneuse avant de vernir. Pourquoi tu nettoies à l'eau savonneuse avant de vernir? Explique-moi, Monique, pourquoi tu fais ça? Premièrement. Deuxièmement, le silicone, ouais, a cet effet un peu, je sais pas si c'est vraiment gras, mais ça fait un petit peu aussi comme les résines quand elles sont en train de sécher, quoi. Voilà. Dans ces cas-là,
Chères sorcières, chers sorciers, quand vous utilisez des techniques mixtes, quand vous mélangez plusieurs techniques, de l'huile, de l'acrylique, de la vinylique, des pastels, plein de techniques différentes, ne vous prenez pas la tête. Ayez le réflexe pour vernir, pour fixer tout ça, de commencer premièrement par un fixatif classique. Ça, c'est ce que je fais, moi. Un fixatif qui va justement fixer tout ce qui est technique un peu sèche, comme les pastels et les crayons, ça va les fixer. Et après, vous choisissez un vernis mixte, huile acrylique. Ça existe dans quasiment toutes les marques. Vous allez les trouver sur beauxarts.fr, vernis mixte. Là, il n'y a pas de problème, pas d'état d'âme. Ça va, qui peut le plus, peut le mieux. Hein, voilà. Donc, dès que vous avez un doute, dès que vous n'êtes pas purement acrylique ou purement à l'huile, vous utilisez un vernis mixte. Voilà. Ok, Monique. Alors, rétro-technologie, ça doit être un surnom de quelqu'un. Ça vient de YouTube, tout ça. Ouais, sur YouTube, il y a beaucoup de surnoms. YouTube, bonjour, je voudrais savoir si le papier transfert fonctionne aussi sur du plastique transparent. Ah, pour pouvoir faire du transfert sur du plexiglas. Oui, ça fonctionne, tout fonctionne. Après, où est-ce que tu vas le mettre ton plastique transparent? Le Bendex et le papier transfert, le Wenzhou, j'imagine que tu parles de ça, sont des techniques qui sont pas agressives. Donc tu vas pouvoir sans problème l'utiliser sur le papier, sur le plexiglas par exemple ou sur le verre. Après c'est la durabilité dans le temps. J'ai pas fait des tests pendant 10 ans si tu veux pour savoir si ça durait. Moi j'ai jamais fait de transfert sur du transparent. Mais ce serait intéressant. Ça va marcher, si tu veux. Ça va tenir. Hein, le plexiglas, il prend plein de choses. Je sais pas si ça va durer dans le temps. Je peux pas te répondre. Mustapha, j'ai voulu tester le contreplaqué. Ouais. Longueur 80, largeur 60. Donc c'est un truc super long. Sans châssis à la place de la toile. Mm-mm. Mais une fois découpé, il s'est courbé pendant perdant sa planité initiale. Pourquoi et que faire? Alors, Mustapha, c'est certain. Moi, j'ai déjà fait ça. Alors pourquoi? C'est du contreplaqué. Hein. Du contreplaqué, c'est donc un bois qui est réassemblé avec de la colle, de la poussière, de la sciure, pardon, et du bois. Bon, c'est tout un truc retravaillé pour qu'il garde quand même sa structure. Quand tu le travailles sur une seule face, dans tous les cas, tout ce que tu vas apporter comme humidité ou comme matière sur une face va faire que ça va se bomber. Donc pour annuler cet effet-là, avant de travailler, tu te mets au verso de ton support bois et tu l'humidifies énormément, tu l'humidifies beaucoup pour que ça crée une tension inverse et que pendant ton travail, il n'y ait pas cet effet de courbure. Enfin, ça va réduire l'effet de courbure. Voilà. Et si tu sens qu'il y a quand même la courbure, tu retournes et tu réhumidifies derrière. Donc ça, c'est une technique à savoir. Quand on utilise des cartons ou des bois très fins, ils auront tout le temps tendance à faire ça. Donc il faut annuler ça avec ce que je viens de dire. Après, pourquoi ça l'a fait, je sais pas. Et l'autre sujet, c'est que quand tu travailles sur un support fin comme ça, avec des grandes distances, la 80, ça commence à être un grand format, il faut absolument qu'il y ait un soutien derrière une structure. Il y a pas de mystère, tu sais, Moussa. Il y a pas. Quand tu as un châssis, il y a une structure en bois derrière. Il y a un châssis bois. Quand tu as une toile, il est tendu sur un châssis qui est d'ailleurs même des fois renforcé avec une entretoise pour qu'il n'y ait pas de courbure. Qu'est-ce que je te dis? Les grands cartons toilés, c'est pas facile d'ailleurs de les garder plans. Pardon, je parle trop vite. Ils se gondolent aussi. J'espère que j'ai pas trop fait pendant toutes mes explications. J'y pense à nouveau seulement. Ok, voilà Mustapha. Allez, une dernière question. Éléonore, bonjour Fred. Est-ce que le pouring médium de Liquitex peut être remplacé par du Bendex de PBO? Non. Enfin, tu peux toujours remplacer tout partout, bien sûr. Mais le pouring médium, il est très particulier. C'est lui qui va rendre la peinture mielleuse et non miscible, mais qui va retarder le mélange des couleurs entre elles. Donc c'est ça qui fait que tu vas pouvoir faire ce marbling là un petit peu moderne avec le pouring, toutes les techniques de pouring qui explosent en ce moment d'ailleurs. Donc non, ça peut pas être remplacé. Le Bendex de PBO, c'est un liant acrylique qui est plutôt là pour être hyper compatible avec tout, si je veux simplifier, alors que le pouring, il est plutôt là pour rendre la peinture dans laquelle tu as inséré ton pouring médium, indépendante du reste, quoi. Voilà. Bref. Et puis mielleuse pour pouvoir avoir des effets de bord vachement intéressants. Non, c'est pas la même chose. Bah, tu sais, si c'était la même chose, ça se saurait, quoi. Hein. Tout le monde utiliserait du Bendex, qui est plus générique, qui sert à plein d'autres choses. Le pouring, c'est vraiment que pour ça. Ok. Voilà. Francis, bonjour. Peut-on maroufler un papier fin et un peu fragile sur du carton? Bien sûr!
Bien sûr, je le fais, moi. Et j'aime bien, d'ailleurs. Quand tu prends un papier fin, fragile, bah, tu risques d'avoir des pliures, des déchirures, etc. Mais c'est ça qui peut donner un peu de l'authenticité à ton travail. Tu le maroufles sur ton carton, préparé ou pas, puis après, en venant peindre dessus, bah, tu vas avoir voilà, cette espèce de... Tout ce qui est lié au hasard et qui fait que bah, c'est des belles choses. Quoi. Voilà, voilà. Allez, j'en fais encore une. Allez. Béatrice. Bonjour, Fred. Je voudrais tester l'impression avec le papier Wenzhou. Oui, mais de quel côté faut-il imprimer? Je ne sais pas. En fait, j'ai jamais vraiment mesuré l'impact. Le papier Wenzhou, c'est vrai qu'il a un côté un petit peu lisse, un peu couché, un petit peu satiné, et l'autre côté un peu plus brut, plus rugueux. Moi, avec mon imprimante jet d'encre, je pense que je l'ai fait de manière indifférente. J'aurais tendance à... Non, j'aurais pas tendance, je sais pas. Quand vous avez ce genre de doute, cher lecteur, lectrice, comment on dit, bon, collègue, bref, artiste, cher artiste, eh ben vous testez, vous faites les deux. Parce qu'en fait, il va y avoir des gens qui vont préférer avoir ce côté un peu rugueux et d'autres qui vont préférer avoir ce côté un peu lisse. Techniquement, chimiquement, physiquement, il n'y a aucune incompatibilité dans un sens ou dans l'autre, ça fonctionnera. Après, le plaisir que tu vas trouver ou le résultat qui va correspondre à ce que tu veux, c'est possible. Ok ? Bon, voilà, c'était donc la réponse aux questions. Je vais enregistrer tout ça. On va remettre le générique comme d'habitude. Ce sera publié lundi matin pour tous les abonnés, donc à la newsletter sur courbeauxarts.fr. Salut, salut, à très bientôt.